Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors on se prive toutes et tous de boire et de manger pendant le mois du Ramadan par amour, par soumission, par obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cela provoque l'affaiblissement du corps, mais par contre en contrepartie, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne énorme. Le renforcement spirituel, l'augmentation de la foi. Et on ressent, et personne ne le niera, une sérénité, une quiétude, un apaisement pendant le Ramadan qu'on ne ressent pas peut-être en dehors du mois du Ramadan. Pourquoi? Parce que la quiétude, la sérénité, la tranquillité psychologique, morale, intérieure, eh bien tu la gagnes dans l'obéissance envers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Preuve en est le mois du Ramadan et ce que tu ressens pendant le mois du Ramadan. Donc continue dans cette lancée après le mois du Ramadan, si tu veux toujours continuer à goûter à cette tranquillité intérieure et sentir ta foi augmenter, te rapprocher de ton Seigneur.